Coucou. Qu'est-ce que tu fais à mater des nichons? Tu as une vidéo à présenter. Ah non, du tout, c'est pas du tout ce que tu crois, t'inquiète pas. Pour commencer, on va parler de Paragon. Donc, Paragon, c'était un jeu vidéo de type MOBA développé et édité par la société Epic Games, développé sur PS4 et sur PC. Initialement disponible sur PC lors de son lancement en accès anticipé le 18 mars 2016, puis disponible en bêta ouverte le 16 août 2016, accessible directement via le lanceur d'Epic Games, aux côtés d'autres jeux développés par Epic, comme l'Unreal Tournament ou Fortnite. C'est vraiment un gros tas de merde. Développé sur le moteur graphique l'Unreal Engine 4, c'était le seul MOBA entièrement en 3D proposant de la verticalité, donc renforçant ainsi l'immersion et des techniques de gameplay uniques. Il était proposé en free-to-play et intégrait directement en jeu une boutique. L'achat se résumait essentiellement à des skins, caisses, donc contenant des skins exclusifs ou des boosts d'expérience, de réputation. A la base, le jeu était sorti avec une carte qui s'appelait Legacy, mais n'arrivant pas à optimiser et à équilibrer les persos ainsi que les cartes, ils ont décidé de repartir sur une nouvelle base en créant une nouvelle carte qui s'appelait Monolith. Suite à plusieurs équilibrages, malheureusement, en janvier 2018, Epic a annoncé l'arrêt du jeu et de sa bêta ouverte pour le 26 avril 2018. C'est bien tout ça, mais parle-nous des nouveaux projets. Le premier projet, c'est Prédécesseurs. Lui, il reprend intégralement toutes les assets qu'Epic avait laissés disponibles sur leur site. Omeda Studio veut recréer intégralement Legacy là où Epic s'était arrêté, en améliorant et en équilibrant les personnages et les cartes, ce que Epic n'a pas su réaliser. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, il y a une session de jeu qui a eu lieu pendant tout un week-end pour pouvoir ramener le maximum de feedback pour que l'équipe de Metastudio puisse travailler et améliorer justement le gameplay, le jeu et la stabilité de celui-ci. Le second projet, c'est Core de chez Metabuff Studio. Celui-ci reprend la carte de Monolith. Malgré l'incertitude du chemin choisi, quand on voit qu'au début, dans le starter des personnages, il devait y avoir Revenante et qu'au final, il a été remplacé par Sparrow. En plus, pour nous faire passer la pilule, ils nous ont sorti un thriller digne des plus grands studios. Ah non, mais c'est vrai, je vous laisse regarder. Wow. Après, ils ont même pas pris le temps de refaire un panneau avec tous les noms des persos, ils ont juste barré tranquillement le nom de Revenante, collé 2-3 flèches, mis le pseudo de Sparrow au-dessus, et hop, de toute façon, ce perso il servait à rien. Allez hop, circule. Après, c'est une grosse équipe qu'il y a derrière ce projet, et ils ont le potentiel justement pour nous refaire vivre ces moments d'émotion qu'on avait eu sur Monolith. Donc à suivre. Donc le troisième projet, c'est Epic. Il réinvente les normes du MOBA en faisant des lines verticales et non horizontales comme ses prédécesseurs. Il y aura également des nouvelles classes de personnages idéalement conçues pour cette nouvelle verticalité. Malheureusement, au jour actuel, il n'y a pas encore de vidéo de gameplay. Ce vent de fraîcheur est pour moi le renouveau pour le monde des MOBA à mon sens. Le prochain projet s'appelle Avantale, découvert il y a peu via les serveurs Discord, créé par un petit nombre de personnes. Malheureusement, ce projet a rencontré pas mal de soucis niveau commentaires et niveau soutien de la population. Du coup, à cause de cela, le serveur Discord qui leur était attribué ressemble plus à ça. Ma chocolatku? Ah ya sho robit? Ah sho, meni divite, jak ona yest chokolad, ya тоже може хоче шоколад. Задумала, блин, мне нужен шоколад. Initialement prévu pour sortir le 13 juin, mais malgré le manque d'enthousiasme et le manque de motivation de la communauté par rapport à ce projet, je ne pense pas qu'il sortira un jour. Le prochain projet s'appelle Phoenix Rising. Il a commencé lors de la fermeture des serveurs officiels de Paragon. Ils ont travaillé environ 6 mois sur ce projet et malheureusement ont perdu pas mal de leurs données. Suite à des problèmes techniques, ils ont dû recommencer leur travail depuis zéro. Depuis lors, nous n'avons plus d'infos ni de nouvelles par rapport à ce projet. La seule chose que nous savons aujourd'hui, c'est que l'équipe de Visionary Games travaille toujours sur ce projet. Je t'ai déjà dit d'arrêter ça, tu iras te palucher après. Attends un peu, tiens, ça c'est pour toi. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Moi aussi elle m'excite cette petite salope. Donc ce projet c'est Paragon Demo, créé par une seule personne. Le projet est vraiment sans décor avec le strict minimum, mais la personne qui l'a créé justement veut s'entraîner en tant que programmeur. Il n'est pas question que le jeu sorte un jour, cela nous permet de jouer un Paragon bis tout en attendant les gros projets qui sortiront bientôt. Il y a des mises à jour pratiquement toutes les semaines et des ajouts de nouveaux persos. Depuis que j'ai connu ce projet, il y a eu l'ajout de Grux et de Kalari. Un peu comme Paragon Demo, Overthrow est un projet créé par une seule personne. Quant à lui, a commencé à travailler sur son projet lors de la libération des assets par Epic Games. Et malheureusement, à l'heure actuelle, le créateur de ce projet a lâché l'affaire vu qu'il était embauché dans une plus grosse structure. Mais quand on voit le résultat du travail d'une seule personne sur un projet quand celui-ci est motivé, on ne peut qu'attendre des autres projets là où les équipes sont les plus importantes, des résultats irréprochables. Le dernier projet, c'est le projet Stamina. Celui-ci, je l'ai découvert il y a à peine 1 ou 2 semaines. Et les graphismes sont complètement différents de ce qu'était Paragon. On y retrouve également cette verticalité qu'on avait sur Paragon. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement ce que le projet va nous présenter ou dans quelle direction il va aller, mais je suivrai les avancées de ce projet pour vous les présenter dans l'avenir. Pour conclure, nous pouvons déjà remercier tous les studios de développement et les indépendants qui travaillent dur pour nous faire revivre ces moments de gloire qu'était Paragon à l'époque. Et grâce à tous ces projets en développement, nous aurons encore de longues heures de jeu devant nous. Et maintenant, c'est à vous de choisir lequel de tous ces projets vous attire le plus et sur lequel vous aurez envie de passer le plus de temps. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Rasta. Bisous. Et moi, personne ne me dit au revoir, bande de raclures. Autant de vulgarité, moi, ça me transperce l'anus. Bisous les gens et à bientôt.